1428, Masaccio peint des scènes de la vie de Saint-Pierre pour la chapelle Brancacci à Santa Maria del Carmine de Florence. Il se montre parmi les auditeurs du sermon de Pierre. Son biographe, le peintre Giorgio Vasari, rapporte que le portrait a été exécuté à l'aide d'un miroir. Un demi-siècle plus tard, dans une épiphanie où il donne au roi mage les traits de la famille Médicis, Botticelli apparaît en bordure de la Seine. À la même époque, Dürer se peint au centre du martyre des 10 000 chrétiens, ou sur le bord de l'adoration de la Sainte Trinité. Il se prend aussi pour unique sujet. En un siècle, le peintre, artisan anonyme, est devenu un personnage qui traite avec les princes, qui ose se représenter comme eux et qui signe ses œuvres. Au XVIe siècle, l'autoportrait devient un genre à part entière. Raphaël, Parmesan, Titien, Tintoret. Chez Rembrandt, l'autoportrait sera une activité constante. De l'âge de 20 ans jusqu'à sa mort à 63 ans, le peintre dessine, grave et peint son propre visage près d'une centaine de fois. Dès ses premiers tableaux, vers 1625-1626, Rembrandt se montre dans des scènes religieuses. Dans la lapidation de Saint-Étienne, il se représente parmi la foule à côté de son ami le peintre Jan Leavens. Ou encore, il réalise une scène non identifiée, d'après l'histoire antique ou l'Ancien Testament, derrière le sceptre du roi, le jeune Rembrandt. Plus tard, établi à Amsterdam et vite célèbre, il se peint avec sa jeune épouse Saskia en costume Renaissance. Il lève son verre en riant devant une table servie. Le buveur dans une taverne, une prostituée sur les genoux, illustre la parabole du fils prodigue qui dilapide sa fortune. C'est aussi une façon ironique de se mettre en garde contre les tentations de la richesse. À la même époque, Rembrandt s'inspirant de Rubens, le peintre alors le plus réputé, peint l'érection de la croix. Il se place au centre parmi ceux qui crucifient le Christ. La peinture de Rembrandt germe et se développe dans un monde marqué par les différentes religions du livre. Si l'homme peut passer pour une sorte de libre penseur assez distant des églises, il est imprégné de traditions spirituelles. Ermite, philosophe, savant, mage, prêtre, prophète, saint, peuplent ses tableaux. En parallèle à ses cohortes de personnages méditatifs, le peintre se représente dans toutes sortes de costumes et de poses, mais dans une lumière particulière qu'il emprunte au Caravage et à laquelle il donne un sens nouveau. Rembrandt se sert du clair-obscur pour suggérer plutôt l'intensité émotionnelle, la révélation, la méditation. La vanité, genre très courant à l'époque, ouvre un espace emblématique. Les objets sont disposés de façon à créer une sorte de récit moral, une chaîne de méditation permanente. L'autoportrait peut ainsi être considéré comme le contrepoint de la vanité, l'image de celui qui, justement, regarde la vanité. Le miroir, qui figure souvent dans les vanités, est ce qui rend l'autoportrait possible. Devenu à partir du XIVe siècle objet domestique courant, le miroir intrigue peintres et savants. Les hommes de science y découvrent les paradoxes de la symétrie et de l'infini. Les peintres, les paradoxes de la représentation et du regard réfléchi.
Un peintre autrichien, Johannes Gump, contemporain de Rembrandt, dévoile le dispositif. Le peintre est placé à la fois dans l'axe du miroir et dans celui de la toile. Pour observer son propre reflet, il doit donc tourner régulièrement la tête ou les yeux, et c'est ainsi que Gump se peint. Le chien et le chat qui se menacent sont peut-être là pour rappeler que le regard peu à peu élaboré par le peintre est le produit d'un long combat, d'où la tension fréquente qu'on perçoit dans les autoportraits. La toile devient à son tour comme un miroir, et le spectateur aura l'impression d'avoir le regard du peintre fixé sur lui. Le miroir rend-il les portraits vraiment ressemblants ? Rembrandt a été représenté plusieurs fois par ses élèves, au point que ces toiles-là lui ont longtemps été attribuées. Le visage vu par d'autres est très proche de celui que montrent les autoportraits de sa main. Mais il n'est pas exactement semblable. Car, autre paradoxe, l'image reflétée est inversée. Le côté gauche, peint tel quel, est en fait perçu par le spectateur comme le côté droit d'un visage qui lui ferait face. Les visages étant rarement symétriques, l'image de l'autoportrait est trompeuse. Si le peintre se montre en train de travailler, il doit affronter une autre conséquence de ce paradoxe. Chez les droitiers, la palette et le bâton appuie-main sont tenus dans la main gauche, et c'est la droite qui manie le pinceau. L'image dans le miroir inverse ce rapport. Les peintres classiques devaient donc tricher pour transformer leur main gauche en main droite. La radiographie d'un autoportrait de la National Gallery de Londres montre que Rembrandt s'est d'abord peint tel qu'il se voyait, mais le peintre a préféré ensuite effacer les instruments plutôt que de paraître gaucher. Plus tard, les peintres n'auront plus ce souci de camouflage. David, puis Manet, Van Gogh ou Cézanne se peignent tel qu'ils se voient. Leur main gauche devient une main droite qui tient la palette. Les photographies prouvent que Cézanne était bien droitier. Caillebotte, dans un autoportrait, expose le décor tel qu'il se reflète dans un miroir. Il semble donc peindre de la main gauche. Et le moulin de la galette de Renoir, qu'il possède, est vu lui aussi à l'envers. Dans les autoportraits de Rembrandt, le visage tourné vers le spectateur est éclairé du côté gauche. Deux exceptions, l'autoportrait de Washington, celui de Cologne. Ce dispositif d'atelier du peintre travaillant face à un sujet éclairé par la gauche est le plus fréquent. Le peintre droitier peut distribuer ses touches en ayant toujours la lumière du bon côté du pinceau. Il voit ainsi toujours ce qu'il fait, sans être gêné par l'ombre portée de sa main. Et comme son modèle est éclairé par la même source de lumière, il y a un rapport direct entre les modulations de l'image et les gestes du peintre. Dans la gravure, le principe est le même. La densité des traits, gravés sur la plaque de cuivre, indique l'ombrage. Mais le tirage de l'épreuve sur papier, se faisant par contact, le dessin est inversé. La plupart des autoportraits gravés de Rembrandt montrent donc un éclairage qui semble venir de la droite. La taille des tableaux est fort variable. 15 cm de haut pour le portrait de Munich, 1,35 m pour celui de la collection Frick. Certains ont été redécoupés par les collectionneurs. Sur l'un des deux portraits ovales du Louvre, on distingue des éclats sur le bord du bois et les coups de pinceau s'arrêtent brusquement. L'autre portrait montre au contraire le biseautage d'origine. Le clair-obscur impose à Rembrandt une technique de composition à peu près constante. Le peintre utilise une préparation uniforme de clarté moyenne et de teinte rougeâtre qui reste souvent apparente par endroits. Il commence sans doute par une ébauche légère en demi-teinte et il construit son tableau
en distribuant les teintes sombres en couches minces, puis les clairs en couches plus épaisses. Il termine par les parties les plus éclairées, ou par les reflets, qui, en général, sont les zones les plus empâtées. Dès les premiers autoportraits de 1629, la touche demeure visible. Les boucles de la chevelure sont suggérées par des petites courbes tracées à l'aide d'un manche de pinceau dans la peinture encore fraîche. La préparation sous-jacente est ainsi mise à nu et donne leur ton roux aux cheveux. Cette rapidité d'exécution, cet apparent manque de fini, dure choquer nombre de contemporains. Une grande partie du visage reste dans l'ombre, à l'encontre des règles du portrait, alors à la mode. Le spectateur est confronté à une image contrastée, incomplète, qu'il doit achever en imagination. L'autoportrait à la toque et à la chaîne d'or du Louvre, peint sur un panneau de bois ovale, date de 4 ans plus tard. L'image a été composée sur une préparation brun-rouge, visible dans les cheveux. Le fil du bois y est même perceptible. Sur cette préparation, pour figurer le fond, une couche grise, légèrement translucide. Le visage, beaucoup plus compact, est composé de petits coups de pinceau serrés, rose sur les joues, jaune autour des yeux et sur le nez, gris au bas du visage, vert près des oreilles, carmin et noir pour les lèvres. Les pointes de la moustache sont gravées au manche de pinceau dans l'empattement encore frais. À gauche, les cheveux sont dessinés. Des petites touches en courbe étalent un pigment noir assez fluide sur le fond rougeâtre plus clair. À droite, dans l'ombre, le même noir est utilisé mais de façon plus dense. La chaîne d'or est ciselée à l'aide d'arabesques d'ocre. Les brillances sont rendues par des empattements de jaune et les éclats de lumière par du blanc. Dans l'autoportrait de la collection Frick, daté de 1658, les touches s'adaptent aux textures. Torsade de la ceinture rouge, plis de la manche blanche, fourrure du manteau violacé, fronce de la chemise jaune, relief noir et or du brocart, brillance de la canne d'argent. Encore une fois, des touches beaucoup plus fines sculptent le visage et suggèrent rides, bouffissures, coupes roses, luisances blafardes. La mode en lande à l'époque est au rendu soigné des matières et des carnations. Rembrandt, lui, laisse déborder de grands pans de peinture brute. Empattement, giclée, frottis, grattage. Le peintre s'intéresse à la matière même de ces pigments qu'il sculpte pour générer une texture allusive. La ressemblance ne se fait plus au prix de la patience, du fini, mais dans la vitesse du geste, dans le combat avec la pâte. Les tableaux de Rembrandt montrent la peinture en train de se faire. Rembrandt fréquentait les ventes aux enchères et y achetait des lots de vieux vêtements, d'armes ou de chapeaux. Dans ses autoportraits, il porte de nombreux déguisements. Divers auteurs y ont vu la marque d'une personnalité extravagante. Pourtant, accessoires et situations ont souvent bien d'autres explications. À plusieurs reprises, le peintre se montre avec des pièces d'armure, collet ou casque. Les pièces d'armure pourraient être une sorte de rappel patriotique. Les provinces hollandaises viennent de conquérir leur liberté contre l'Espagne. Minerve, déesse de la guerre, souvent symbolisée par son armure et son casque, devient protectrice des peintres et remplace peu à peu Saint-Luc. La représentation des surfaces métalliques avec leur brillance est aussi pour le peintre une façon de montrer sa dextérité. Enfin, l'armure est symbole de la précarité de la gloire. Souvent, Rembrandt est coiffé d'une toque ou d'un béret.
dérivant du bonnet académique, le béret est associé aux artistes et à leur vie libre. Il est présent dans une gravure de Luc Adelaide, peut-être un autoportrait dont Rembrandt s'est inspiré. Par métaphore, le béret peut symboliser le génie artistique. La chaîne d'or était la récompense d'un souverain au peintre. Titien en avait reçu une de Charles Quint, Vasari de Pie V, Rubens de 3 souverains. Rembrandt se peint avec diverses chaînes d'or, mais c'est une pure fiction, car il n'est lié à aucun souverain. Le métal jaune, avec ses reflets, était aussi un test de virtuosité picturale. Et l'or est un discret rappel de la vanité des richesses. Quittant Leyde, calme ville universitaire, pour Amsterdam, capitale cosmopolite, le peintre change de statut. Prenant exemple sur Rubens, qui s'est peint avec un fier chapeau ourlé, Rembrandt se grave en bourgeois, portant le chapeau. Comme le firent auparavant Raphaël, Michel-Ange ou Titien, le peintre signe pour la première fois de son seul prénom de Rembrandt. Il se peint à 34 ans, chapeau et en habit noir à fraises, comme ceux qui composent sa principale clientèle. Si les contemporains de Rembrandt s'habillaient sobrement de noir, ils aimaient parfois se déguiser. Plusieurs des autoportraits montrent des costumes riches et colorés, à la mode plus d'un siècle auparavant. Rembrandt vit passer en vente à Amsterdam le portrait de Balthazar Castiglione de Raphaël. Il en fit même un croquis. Il vit sans doute aussi le portrait d'homme de Titien. Les deux tableaux l'inspirèrent. À 34 ans, il se peint en costume Renaissance, dans la même position hautaine que les personnages des grands peintres italiens. Dans l'autoportrait en costume oriental, plumet, turban, cape, tunique de satin, ceinture, forment un catalogue de matières difficiles à rendre en peinture. À ces textures, la toison du caniche, peint plus tardivement, apporte un contrepoint ironique. Le personnage dérive peut-être du roi mage d'un tableau de Rubens. Rembrandt s'est montré à ses débuts dans son atelier de Leyde, face à un panneau de bois posé sur un chevalet. Il ne reviendra aux autoportraits en artiste que 26 ans plus tard. À partir de 1652, en effet, dans ses autoportraits peints, une des tenues les plus fréquentes est une sorte de blouse au col ouvert et à la taille serrée par une ceinture. C'est sa tenue de travail. Elle est visible dans une série de gravures montrant Rembrandt à la fenêtre en train de dessiner. Les peintres de son temps se représentaient à leur avantage, très bien habillés. Rembrandt se montre au travail sans afféterie. Il est négligé et affublé de turbans informes. Dans le tableau du Louvre, la palette et le bâton appuie-main sont avec le visage les seuls éléments qui sortent de l'ombre. Dans le tableau de Kenwood House, figurent les mêmes instruments de travail. Les arcs de cercle du fond ont été à l'origine de diverses spéculations. Symbole kabbalistique, attribut de la perfection divine, figuration de l'art, ou encore signe de la virtuosité de l'artiste capable de tracer un cercle parfait à la main. Peut-être ne faut-il voir là que l'ébauche d'une map monde, comme on en voit souvent dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Une façon pour le vieux peintre de montrer qu'il est conscient de son universalité, ou peut-être encore un rappel de la vanité du monde. Dernier masque, celui du vieux sage. Rembrandt se montre en Saint-Paul.
Le saint est reconnaissable aux écritures et à l'épée qui dépasse de son manteau. Paul fut la principale source d'inspiration des théologiens de la Réforme parce qu'il avait prêché la justification par la grâce. L'un des tableaux les plus énigmatiques est celui de Cologne. Rembrandt s'y dépeint beaucoup plus vieux que sur les autres portraits de ces années-là. Il se montre ricanant. Sur la gauche, on distingue une silhouette. La toile a été redécoupée et par endroits repeinte. La radiographie montre une main droite avec un pinceau qui ont ensuite été effacés. C'est un tableau peint 20 ans plus tard par un élève de Rembrandt qui nous permet aujourd'hui d'élucider la scène. Peut-être un épisode de la vie légendaire d'un artiste de l'Antiquité, Zeuxis. Peignant une vieille femme à l'allure comique, le peintre rit si fort qu'il en mourut. Rembrandt fut parfois accusé de peindre des personnages laids dans des univers sombres. Se peindre bien plus âgé et en vieillard grimaçant était peut-être une façon de défendre son originalité. Et l'allégorie était claire. Devant la vieillesse et la mort, tous les peintres sont égaux. La contemplation de son propre visage est, chez Rembrandt, méditation sur les simulacres et la vanité de la chair. Jeune, il avait commencé par tester sur lui-même l'expression des émotions. La suite des autoportraits dépeint l'histoire du visage. Cheveux épais frisés, nez gros, visage massif, bouche souvent entrouverte, comme si l'homme avait du mal à respirer. Rembrandt se sait dépourvu de grâce. Il observe les ravages de l'âge, de l'adolescence ébouriffée à l'âge mûr triomphant et de l'âge mûr à la morne décrépitude de la vieillesse. Le travail, l'éveil studieuse, les soucis financiers, les deuils familiaux dessinent des poches sous les yeux, graves des rides, purinent le visage. Ces métaphores de la langue courante empruntent au vocabulaire de l'art. Le temps fait œuvre d'artiste sur les visages humains. La suite des autoportraits est rigoureuse comme une leçon d'anatomie. Dans ses autoportraits peints, Rembrandt a souvent les yeux dans l'ombre, signe à l'époque d'un esprit troublé et pensif. Visage impassible, il traduit l'introspection, le doute, la solitude, la veille, lucide et désabusé. Dans cette répétition obstinée se retrouve une figure qui hante la fin de la Renaissance européenne, la mélancolie. La théorie antique des quatre tempéraments distinguait le sanguin, le colérique, le phlegmatique et le mélancolique. Le poète, le peintre, sont souvent touchés par la mélancolie, une des formes du génie. De cette figure allégorique, Dürer avait donné une image mystérieuse. Du vivant de Rembrandt, le Britannique Robert Burton publie son Anatomie de la mélancolie. L'Hamlet de Shakespeare, les Madeleines de Georges de la Tour, l'Aristote peint par Rembrandt sont aussi des figures de la mélancolie. Aujourd'hui dispersés dans une trentaine de collections, les trop précieux autoportraits de Rembrandt ne pourront sans doute jamais tous être rassemblés dans une exposition. La restitution artificielle des images nous permet de recréer le musée imaginaire, de renouer les fils du récit. Car ces tableaux sont aussi une narration. Chaque portrait fait écho aux autres tableaux en train de se faire. Et dans ces autres tableaux, ne retrouve-t-on pas parfois l'œil du peintre discrètement dissimulé dans les remous de l'image ?